Coucou tout le monde, on continue notre avancée donc sur le petit jeu, on développe notre ferme, il y a pas mal de ressources à craft. Là j'ai reçu une mission, on va devoir faire des wooden boards, il nous en faut 10. Ouh. Ok, ça me demande des choses. Je peux en faire que 4? Pourquoi? Ah, parce que j'ai pas assez de bois. Ok, bon, on va chercher plus de bois. En attendant que je puisse craft ma meilleure hache pour couper les plus gros troncs d'arbres. Purée, c'est tout un bordel. Alors j'ai peut-être déjà ce qu'il me faut d'ailleurs au passage. Je vais voir si j'ai le bronze de près. Ah mais même sans ça, il me faut de l'argent de toute façon. Il me faut l'argent pour pouvoir acheter. Zut. Pour pouvoir acheter l'amélioration pour faire la meilleure hache. Qui coûte 200 et des poussières. Hein. Donc il me faut faire de toute façon cette quête en premier. Développeur a peut-être rajouté un petit peu trop d'étapes, vous voyez, pour faire certaines choses. C'est pas pour dire, mais à chaque fois que j'ai presque terminé quelque chose, je me rends compte qu'il me faut quelque chose d'autre. Bon, après je continue à progresser hein, constamment, mais quand même, voilà quoi. J'ai au moins ça. Maintenant toi. Parfait, donc ça me fera les 10, mais ça va me demander 22h, 23h. Il me faudra peut-être un autre cristal. Ah, j'en ai encore là, ok. Ça va. Toi. Est-ce que j'ai des choses que je peux vendre? On va vendre ça. Ça vaut 1. Ça vaut 14. Mais hein, si je les vends 12. Un peu mal au cœur. Alors, si je les vends, les 13 à 14, ça va faire 140. Ouais, non, ça va pas être suffisant, je vais avoir 260 et des poussières. Ah si, 240. Non, 160 et des poussières. Ah, j'aurais pas assez. Après 240. Ouais, il faut faire la quête, et le problème, c'est que là, ça va mettre trop de temps. Bon, on va chercher des rochers. La roche. Pour ça, on va aller à la mine. On va aller à la mine. Je vais claquer un peu d'argent. Je vais avoir besoin de rochers. Je vais avoir besoin de cuivre. Et je vais avoir besoin de power stone. Donc on doit aller effectivement à la mine un peu. Est-ce que ça a reset ce que j'ai creusé avant? Je crois que ça a reset, ouais. Ok, elle est peut-être différente. Donc on va choper une trentaine de cuivre. Hop. Parce que là, cette journée, elle va être passée à attendre que mes choses soient craft. Donc je dois laisser le temps défiler. Donc j'en profite pour récolter des ressources précieuses. Une fois qu'on a ramassé les 30 de cuivre, le reste ça va être des artefacts qu'on va chercher. Donc je vais ramasser la roche en allant vers ces précieux. Voilà. Alors maintenant. Oula. Ok. Il y en a deux là-bas.
parfois ça veut pas crever. Ah, peut-être j'aurais pas besoin de l'acheter. Oh, ça considère comme étant une vieille... Ah, je pensais que ça me considérait que ça serait un upgrade pack, vous voyez, ce que je devais acheter à 230. Mais moi, c'était un faux espoir. Ok, par contre, les Power Stones, ça, je suis content. Level up, génial! Notre Power Stone, alors j'ai deux items là. Ça se vendra. Et le dernier vers là, je crois. Il est là. Ok. Allez, on va prendre le dernier, puis on va rentrer. Il est quelle heure? Il est 15h. J'aurai des bonnes choses, peut-être un petit peu de choses à vendre en plus, et surtout j'aurai les Power Stones pour alimenter la Siri. Voilà. Alors on retourne. Bon, normalement je devrais vraiment rester longtemps ici pour maximiser mes 80 crédits que j'ai payés. Mais bon, ce serait pas fun. Ça serait pas fun à regarder, surtout. Alors, on est reparti vers là. Ah, à chaque fois, j'oublie que j'ai plus de jetpack. Et là, on va quand même en faire plus, hein. J'en ai combien? J'en ai 12. Il m'en faudrait 16, donc on va faire 4. Comme ça, je pourrais le valider deux fois. Toi, je te laisse faire. Toi, t'en as 2 sur 10. On va aller vendre les rouages. Et on va le vendre là-bas. C'est le plus proche, je pense. Ouais. Je crois pas qu'il y ait des différents prix en fonction du... Ah, peut-être la réputation peut jouer, peut-être, sur le prix de vente. Énormément quand même de revenus. Alors il est 17h, on va pas faire dodo. Où est-ce qu'elle est mon... Allez là-bas. Ouais. 18h, ouais, allez, on va se coucher tôt. On a travaillé dur. On le mérite. Une belle petite soirée. Du coup. Alors je vais juste avant. Recharger. Pas refuel. Ah, j'ai dû déposer le bois. J'ai plus de bois déjà. Ah, purée. Bon, bah, je sais ce que je vais faire avec mes derniers points de compétences. Pas d'endurance plutôt. Un point restant. Ah, toi tu comptes pas. Un, deux, trois, allez, yes, parfait.
Allez, on recharge et on va au lit. Hein. Faut juste que ça puisse tenir. Donc toi, tu vas me faire... tu vas me faire d'autres barres, tout simplement. 11. Tu peux me faire 11 barres? Comment tu peux me faire 11 barres? J'ai que 2 de... Tu lis. On va en faire 5. Ah, ok, non, là, c'est juste... non, c'est pas les barres. C'est... Ok, je me disais... Voilà. Alors, je peux peut-être en mettre plus grâce à... Est-ce que j'ai du tin? Ouais, j'ai du tin. Parfait. On va en mettre plus pour faire d'autres outils en bronze. Voilà, 6 maximum. Tu as du boulot. Toi. Tac. On peut pas rajouter d'autres affaires. Ici. Les planches. Il me reste 13 heures d'énergie. Bon bah ça va suffire d'ici qu'on se réveille. Tac, tac. Je suis content. Belle journée. Pas mal de choses faites. On va dodo dans notre maison, le Renard Field. Alors. Oh il pleut. J'aime pas quand il pleut. C'est pas beau le jeu. Craft est fini. Combien de temps pour finir? 4 heures. Ben, on a besoin de bois, donc c'est parti. Pendant les heures qui restent pour le pour les planches. Et après, pour rappel, parce que c'est une grosse chaîne à chaque fois, après je vais pouvoir acheter, je pourrais valider la quête qui va me permettre d'avoir de l'argent pour acheter le pack d'amélioration de mon arc, l'âche, pour améliorer l'âche, pour pouvoir craft, ou plutôt couper des gros arbres, pour obtenir les gros troncs d'arbres, pour pouvoir faire des grosses planches. Pour faire je sais plus quoi, j'ai oublié ce qu'il fallait ensuite, ça fait déjà une belle suite. C'est pourquoi... Ah oui voilà, c'est pour finir le pont, voilà. Parce que purée, le jeu nous fait faire des choses. Hein. Il nous fait... je fais des planches standards dans la série pour faire des trucs qui vont permettre de faire des grosses planches. Alors, ça c'est peut-être le point faible du jeu, je trouve trop de choses. Ah, et tout ça c'est depuis le début pour faire mon petit pont. Hein. Faudrait que les devs soient plus cléments avec nous sur ça. Regarde si tu es en train de travailler. On a une autre. Il n'y a plus de carburant, bah heureusement que j'ai regardé. Refuel, go. 2 heures. Avec ça, je vais avoir beaucoup de bois, même si je coupe des petits buissons. Faudra voir quelle est la différence entre les gros arbres et les buissons, parce que je trouve qu'ils me donnent déjà beaucoup de bois. Hein. Même si c'est pas des troncs d'arbres. Est-ce que c'est juste une question de qualité de la ressource? Genre les gros arbres ne donnent que des troncs et ne donnent pas des petits morceaux de bois? Ou est-ce que c'est une question de quantité également? Je vais plus avoir assez de place dans ma base pour les. Parce que je vais devoir mettre plus d'ateliers hein, pour ce que j'ai besoin. Je vais devoir acheter une nouvelle parcelle de terrain. Ok. Bon, on devrait se rapprocher un petit peu.
Ouais, est-ce que j'ai pas de la roche, je prends un peu en stock. J'en ai un petit peu pour faire pour utiliser celui-là, pas perdre de temps. Parce que c'est tellement long. Ah, où je peux faire du verre. On va faire du verre. j'ai pas énormément de sable. Je crois. 70, je pourrais pas faire 10 de verre. Mais bon, ce sera déjà ça. Je suis sûr que je vais en avoir besoin éventuellement, donc autant le préparer maintenant. Alors, on remet du carburant. Ok, 8 pour le maximum. Le reste repart. Toi, 30 minutes. Et ce fameux morceau de pont, j'ai peur pour la suite parce que... Parce que là, j'en suis que au premier morceau. Et quand je regarde la liste des choses que je peux faire, voilà quoi. Alors, 5 minutes, génial. Hop. Alors, je vais te faire d'autres. Parce que, non. Je vais pas t'en faire d'autres parce que sinon, ça va être. Ouais, ça me posait problème quand je vais vouloir faire les grosses planches. Ok, donc on va valider la quête. On va acheter le pack d'amélioration. Et puis, on va revenir. D'ailleurs, on en est où au point pour notre classement de... On a 90 points. On n'est pas loin du quatrième, qui a 220 et les poussières. Par contre, c'est les points par semaine. Je crois c'est le classement de la semaine. Donc, ouais, il faut en permanence les remonter, les points, je crois. A voir. Alors, maintenant... on va aller acheter l'amélioration. Alors, est-ce que je peux en acheter deux? Ça serait cool, parce que j'aimerais améliorer ma pioche aussi. Je crois pas que je vais avoir assez, par contre. Acheter qu'un, sérieux? Bon, on reviendra demain. Toi, tu vends quoi? Tu vends des boîtes. Ah oui, j'ai une quête avec deux boîtes à faire. Les boîtes, ça doit pas coûter trop cher à faire. Bah, je vais en faire moi-même et je vais valider la quête. On va voir ce qu'on va gagner. Oula, il donne des coups dans le tonneau. Alors, ouais. De bronze. Go. Parfait. Ensuite, des boîtes. Ah, ça coûte rien, non. Une et deux. On va valider la quête. Et on va casser des gros troncs d'arbres, j'espère. Ensuite. J'aurais dû la faire avant d'y aller. J'avais complètement oublié que j'avais la quête là. Alors là, c'est une quête qui est demandée, pas par quelqu'un, mais par le groupe, je crois, la guilde. Donc, est-ce que je vais avoir une meilleure récompense? Il m'a donné une barre de bronze, bon, c'est pas mal. Est-ce que je peux faire... Ok, je regarde, est-ce que je peux faire une autre quête? Oh, purée, les allers-retours que je fais. Heureusement que j'y ai pensé là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a trois aujourd'hui. Copper plate, non. C'est trop long à faire. Cuivre, non. Des habits, non. Ok, on reviendra plus tard. Demain. J'essaye d'avoir la quête qui me demande juste... J'en ai eu deux de suite à l'heure qui me demandaient des briques. Et là, il n'y en a plus. Et les briques, c'est... Enfin, je les ai faites, du coup. Donc, j'aimerais bien les vendre. Enfin, les échanger contre de l'argent. Bon, alors, on avait dit, on va péter du plus gros tronc d'arbre. Donc, on va voir quelles sont nos limites. Toi. Oh, yes, ok. Alors, plein de nouvelles choses. Ah, les racines, c'est ça qui me donne ce que je veux. Très bien.
ce qu'il me faut. Il m'en faut 5, hein. Ouais. On va mettre le max 3, le max 1. Bah vas-y. Ah, il m'en faut encore plus. Bon, on va péter d'autres arbres. Alors, est-ce qu'il y en a un vraiment gros? Si, il est un peu plus gros que le reste. Ah, je peux le faire quand même. Waouh. Et de la résine. Ah, ok. Lui, il est hors de ma portée. Alors, je vais pas casser tous les arbres là, parce que je veux quand même en garder un peu pour le futur. Alors, je sais pas si ça pousse ou ça réapparaît ou quoi, mais je vais quand même les garder. On va venir à celui-là. Je me demande à quoi elle sert la résine dans le futur. Lui. Ah, plus de carburant. Ça met longtemps. Ça met longtemps pour un de glace, un de verre. La vache. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, ah oui, toi je peux te faire maintenant. On va la faire, on va aller tenter de pêcher. Et on va ranger un petit peu. Ah, le bois, la résine. Hop, on la range. Tac. Tac, j'ai claqué ma dernière barre de cuivre. Ah, mais je vais faire des meilleurs outils dès que j'aurai l'argent de toute façon. Alors, ok, allez, on est parti pêcher. J'espère que pêcher va me permettre d'avoir des sous plus vite. En vendant par exemple. Ce que j'ai ramassé, alors j'ai vu qu'il y avait des poissons là-bas. Je suis quelle heure? Il est 18h30 et j'ai 80. Ok. J'espère que demain il va pas pleuvoir. Ici. Non, plutôt avec. Pas avec la hache, plutôt avec la canne à pêche. Alors, comment ça fonctionne? Ah, j'ai peut-être pas d'appât. Putain. Sans appât, ça me force. Ouais, je vais faire l'aller-retour. J'ai laissé les appâts là-bas. Bon, pas grave, on va dodo, hein. De batterie restante. Ding dong dong ding. Ah non, c'est ding ding ding, pardon. Ah, il a pas l'air de pleuvoir. Pas de bruit de pluie. Yes, il pleut pas. Cool. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi? T'as du verre. Merci. Il me faut du carburant. Oh, je sais pas, je l'ai. Du carburant, le verre, on le met de côté. J'ai 3 de hardwood.
Il m'en faut 5. Donc il m'en faut encore 2. Purée, ça va être long. J'en ai pas mis par là par hasard? Non. Ok, bon, on va pêcher. Alors, on va déjà voir les quêtes du jour avant d'aller pêcher. Ouh, il sait pas courir lui. Il va chercher les commissions. Je vois, c'est le gars qui a l'atelier numéro 1, vous voyez. Higgins. Alors. Ah, c'est la même quête qu'hier. Dix wooden boards. Alors ça, je peux les faire. On va accepter. Ça va juste mettre un peu de temps, le temps que la Siri termine la tâche qu'elle a actuellement. Et on va pêcher. C'est dommage que je puisse pas prendre plus de quêtes à la fois, quoi. Toi, je te veux. Vous êtes à moi maintenant, je pense. Ah, qu'il faut appuyer sur E. Est-ce que la pas compte du coup? Ah, hop. D'accord, j'ai quelque chose et j'ai perdu un appât. L'appât se met automatiquement donc. C'est quoi? En fonction du mouvement du poisson, on bouge la souris dans la dire. Ah, j'ai pas le temps de tout finir de lire. Ok. Je vais comprendre. Je dois appuyer sur le clic gauche. Ouais, je dois aller dans la même direction que le poisson pour diminuer la tension. Et appuyer sur le clic gauche pour le choper. Ok. Et il vaut 10. 10, c'est tout. Bon, ça vaut plus que la plupart des choses, mais ça met un peu de temps quand même pour appêcher. Il est coincé, je vais pas me plaindre. Encore un autre, merci. Allez, on va prendre un dernier. Descends la barre, je vais. Ah ouais. Ah, je l'ai eu. Non, il s'est enfui. Ok, bon, bah, c'est pas grave. On a eu 2, ça me fait 20. Je suis à 155. 155, ça m'amène à 175. Je pourrais presque améliorer ma pioche. Il manquerait 80 points. Mais bon, je vais déjà voir là-bas. Une dernière. Ah, il y a encore le signe d'une quête. Ah, ok. Alors, Sophie, qu'est-ce que tu veux me... Ok. Elle a perdu son panier quelque part dans la ville. Mais, ok. Est-ce que j'ai la... Alors, j'ai pas fouillé toute la ville pour le trouver. Mais si j'ai... l'indication... Ok, vers là-bas. Bon, on va y aller rapidement. On a besoin d'argent, hein, donc on fait ce qu'il faut pour ça. Donc le panier est dans le coin, c'est ça? Est-ce que vous avez vu un panier dans le coin? Toby l'a balancé sur le toit. Sur là-haut, sur ce toit là.
Ah. Parfait. Et on a le panier de Sophie. Et on va le lui donner rapidement. Elle a commencé à rentrer chez elle, donc elle est partie dans la direction là. Elle a été rapide. Coucou à Émilie. Petite trousse. Sophie. 35. Et des points de réputation avec elle. Ouais, 35. Ça sera, ça me rapproche de ce que j'ai besoin pour améliorer ma pioche. Et du coup, on va s'arrêter là. Et dans l'épisode suivant, on va démarrer le pont, enfin. Ça aura pas été facile, mais voilà. Donc merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt dans un autre épisode. Bye bye.